C'est au pied des montagnes qu'une belle histoire commence. C'est ici que l'on capte l'eau de la Vésubie qui va transiter jusqu'à l'usine de Superigny. À 271 mètres d'altitude, en contrebas de la commune d'Utel, le canal de la Vésubie. Construit en 1886, il est une petite révolution, à une époque où l'eau potable pouvait être momentanément polluée, voire indisponible. C'est un ouvrage qui résulte de promesses qu'avait fait Napoléon III lors du rattachement du comté de Nice à la France. Il avait promis d'améliorer l'alimentation en eau de la ville de Nice. Sous le regard bienveillant de la nature, l'or bleu s'écoule par simple gravité le long de la vallée. Non soumise aux polluants et pesticides, l'eau subit tout de même une clarification légère. Ce dessableur ralentit son débit et entraîne la chute des particules de sable. 28 km plus bas, la Belle poursuit son voyage jusqu'à la cascade de Guéraud. L'eau que vous voyez derrière moi, donc c'est l'eau qui a été captée il y a environ 7h, 7h30 à Saint-Jean-la-Rivière et qui va continuer sa route jusqu'à l'usine de Superigny où elle va être traitée avant d'être consommée par les gens de la ville de Nice. Superigny constitue la dernière étape avant la distribution. Une partie est stockée dans ces grandes baignoires de béton, l'autre est décantée, tamisée et filtrée, puis désinfectée à l'ozone, avant d'arriver dans votre robinet. L'usine de Superigny, qui est la principale usine traitant l'eau de la Vésubie, elle traite environ 30 millions de mètres cubes par an. Et il faut savoir que le canal alimente également une usine secondaire qui se trouve sur le col de Villefranche, donc, et qui alimente, elle, une partie de la principauté de Monaco et les communes de l'Est métropolitain. Et cette seconde usine traite 10 millions de mètres cubes d'eau. Et voilà, 32 km plus bas, au bout du tuyau, l'eau est désormais potable. Bon, à savoir, à Nice, la Vésubie n'est pas la seule source d'approvisionnement. On peut aussi puiser dans les nappes phréatiques du Var.